Alors aujourd'hui, on attendait la batterie de cette voiture parce que on a eu un problème et on ne veut plus que ça se reproduise. Chapeau ouvert. Et bien d'abord, je dois débrancher l'ancienne batterie. Les plus et les moins. Oui. Et l'antifouine qu'on avait mis. Oui, tout à fait. Alors pour ça, j'ai ma petite clé. Pour le démontage, vous devez faire très attention à ne pas provoquer de court-circuit entre la borne positive et la borne négative ou la carrosserie. C'est pourquoi, pour éviter un court-circuit via la carrosserie, vous devez commencer par débrancher la borne négative. Elle est reliée à la carrosserie, puis la borne positive que vous isolerez. Tu l'as débranché parce que... Oui, tout à fait. Voilà déjà une étape de fait. Une borne qui est débranchée. Je vais débrancher le négatif maintenant. Le négatif est débranché aussi. Philippe, il démarre. Voilà, donc la batterie est débranchée maintenant. Comment est-elle fixée? Je ne sais pas. Ah ok, voilà, je vois. Il y a une fixation là sur le côté. Donc c'est du 13. Avec la clé à douille, ça se signe clé à douille. Ça. Et un racagnac, ce sera beaucoup plus facile voilà. À démonter. Pour ce boulon-là. Hein. La patte, c'est ceci, la patte qui tient le pied. Toujours lourd, évidemment, une batterie. Nous avons pris une bosse pour espérer pas devoir la remplacer, ne plus devoir la remplacer trop vite. Oui, on a choisi une batterie Bosch en espérant qu'elle tiendra le coup longtemps. Pour le remontage, rebranchez la borne positive, serrez modérément l'écrou. Faites de même avec la borne négative. Et voilà. La voilà positionnée dans son logement. Je vais remettre la patte de fixation. Elle est bien fixée. Hein, on ne bouge pas. Mais non, les plus et les moins. Oui. Alors, il est conseillé de d'abord brancher la borne positive
de la batterie, donc c'est ce que je vais faire. La bande positive, c'est celle-ci. La bande positive, donc c'est celle-ci. Voilà. Je vais pas oublier de rebrancher mon petit dispositif anti-fouine. Hein, Martin ? Ce serait bête, hein, de l'oublier celui-là. Et encore bien ! Et encore bien, quoi ! Et voilà, de une. Et puis, on enlève le bras d'une cache. Hein, il fonctionne. Et voilà. Et maintenant, la question dont tout le monde se pose, c'est... L'ancienne batterie de notre caddie et la nouvelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur les voitures et sur plein d'autres choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.